Salut à tous, c'est Quincy. On se retrouve aujourd'hui sur City Skyline pour la suite de notre petite série Arrow River. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le petit timelapse d'introduction, j'ai essayé de faire une université et une sorte de zone de parc olympique. J'ai appelé ça le parc olympique, mais une zone avec des sports, enfin deux stades. On a un centre culturel et on rajoutera par la suite quelques autres trucs. Alors, oui. Donc, hop, on ressort. Donc, la cité universitaire. Donc, on a quelques universités. Donc, ça, ce sont les universités de base. On a aussi ça qui est une autre université, un autre type d'université, une sorte d'université alternative. Et ça, qui est l'Institut de technologie moderne, qui aussi remplace, enfin, qui est une alternative à l'université. Donc l'idée, voilà, c'était de faire un espèce de campus. Donc on a des trucs de, enfin, des terrains de basket, terrains de tennis. Derrière, on a la piscine municipale, la salle de sport et gymnase, ainsi qu'une autre un autre modèle d'université. Et là, c'est quoi? Ce sont des jardins yoga. Donc pas forcément en rapport avec l'éducation à proprement parler dans le jeu, mais c'est juste pour vraiment essayer d'avoir un petit style. Et en fait, quand je regardais, donc vu que le bâtiment de base de l'université est quand même assez sympathique, mais qui a une connotation un peu ancienne, je voulais essayer de trouver un autre truc qui est l'air ancien, et il se trouve que l'hôtel de ville, alors oui, ça fait bizarre d'avoir un hôtel de ville en tant qu'université, mais bon, on va essayer de se la jouer comme ça. C'est juste pour le look en fait, enfin, vu que ça n'a pas de fonction vraiment spécifique dans le jeu, on n'a pas. On peut l'utiliser ici, c'est juste qu'on peut en poser que un, mais ça donnait un petit côté Oxford, Cambridge. Donc les vieux bâtiments, donc on a la place, on a celui-là, donc en une espèce de croix comme ça. Faire un petit parc autour. Voilà. Vu que l'idée, encore une fois, c'est d'essayer d'utiliser un maximum les assets de base. Donc ne pas. Même si on a des mods, donc Move It et compagnie. Ne pas utiliser de maison ou de bâtiment du workshop pour essayer de voir ce qu'on peut faire sur le jeu de base. Ici, on a les vols en montgolfière. Donc normalement, voilà, elle vient juste de décoller. Où elle revient là? Ah, elle est en train de revenir. Voilà, donc c'est assez sympa parce que je pensais mettre ça juste pour voir, je n'avais jamais essayé. Et en fait, elle décolle et elle va se balader au-dessus de la ville. Donc c'est vraiment très sympathique. On a un stade. D'ailleurs, l'équipe gagne plutôt pas mal. Prochain match le 17, le 12, 12 juillet 2046, donc dans 7 mois, ça devrait aller assez vite. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que ça fait partie d'un des DLC qui était jour de match, qui me semble qui est gratuit. Ça, c'est le stade d'origine, donc il se passe pas grand-chose en fait. Par contre, là, c'est le stade de football du DLC. Du DLC jour de foot, il me semble, ou jour de match. Donc, il y a toute une espèce de. Ah, c'est pas toute une espèce, mais il y a un petit système de match en fait, qui à intervalles fixes viennent. Enfin, se mettent en place, et ça dure pendant quelques temps. Et en fait, ça apporte un énorme afflux de personnes, mais ça peut vous faire gagner quand même vraiment beaucoup d'argent, et c'est vraiment sympathique. Et on peut faciliter l'accès à. Ça peut être assez sympathique. Et donc, l'idée, c'était de mettre ça en place. À un moment, il me semble qu'il y avait des. On pouvait acheter d'autres stades, genre Camp Nou, ou d'autres stades connus, des stades réels connus mondialement. Mais je trouve plus ce DLC. Donc, ils doivent plus avoir les licences. Et comme vous avez pu le voir aussi dans. Le timelapse, ce truc-là, alors qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Comme encore une fois, le principe c'est d'essayer de s'en sortir avec sans assets pour faire des parkings. C'est pas forcément évident vu qu'on n'a rien, je peux pas peindre le sol,
En béton, je peux pas rajouter des calcos, des décales de parking, donc il a fallu improviser et des allées avec des pins, enfin avec des arbres comme ça donne de loin, je pense qu'on comprend ce que c'est. Je pense qu'on comprend l'idée et comment. Et c'est le principe. Après, cette zone-là n'est pas finie parce qu'il reste encore quelques monuments liés au sport qu'on va pouvoir mettre en place. Donc cette partie-là n'est pas finie, celle-là un peu plus. Donc à côté de la cité universitaire, en fait, au lieu de faire qu'une cité universitaire, j'ai voulu rajouter un peu de bâtiments. Ces bâtiments, donc on a quelques commerces autour, on a une petite école, un collège. On a aussi donc des résidences que je vais garder de faible densité. Résidences de faible densité qui pourraient s'apparenter un petit peu aux villas d'à côté des campus américains où vous connaissez toutes les fraternités, les sororités. Donc les groupes d'étudiants qui viennent crécher là avec les piscines et tout. Donc là, ça fait. Ça donne un petit style et c'est un peu plus de verdure, donc c'est plutôt pas mal avec les quelques commerces. On a un hôpital à ce niveau-là avec un dépôt d'hélicoptère médical avec aussi des pompiers et de la police pour faire bien. Un dépôt de bus, donc on a pareil des bus qui font un peu le tour du campus et qui vont chercher à l'autre dépôt de bus et on pourra développer un peu plus ça par la suite. Et en journée de match, c'est assez violent. D'ailleurs, j'ai essayé de garder un petit œil sur la date et comme ça, je vous montrerai ce que ça donne un peu plus tard. Pareil au niveau des trains, vous voyez les trains de couleur. Tout simplement, on a deux lignes. Vu qu'on a deux gares, on a une gare, la gare principale ici. Donc, on a une ligne qui vient de cette gare-là qui va jusqu'à l'autre. Et on a une autre ligne qui passe de cette gare-là et qui nous envoie donc vous voyez, les trains rouges. Ou violet, il me semble que c'est les violets qui sont là. On verra plus tard. Et ici, le centre des expositions. Donc pareil, essayer d'avoir un petit centre, enfin un petit coin un peu plus dédié à l'éducation et au divertissement général. Bon, ça donne pas autant de bénéfices aux habitations et aux commerces qui sont à côté, vu qu'il n'y en a pas. Mais voilà, l'idée c'était d'avoir un truc un peu plus thématique. Et je suis plutôt content du résultat. Surtout à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est pour le tour de ce qu'on a pu faire, enfin de ce que j'ai pu faire pendant le time-lapse. Vous aurez sûrement remarqué, donc j'ai posé ça, la tour du grand intérêt, qui est une des plus grosses tours du jeu de base. Qui est un monument, je l'ai posé ici pour voir ce que ça donne, c'est pas sûr que ça va rester. J'attends de voir comment le reste va se développer. Donc si c'est trop gros, je l'enlèverai peut-être. Celle-là est plutôt bien. Celle-là, ouais, ça fait assez gros quand même. Donc on va voir ce que ça donne par la suite. Développer un petit peu de résidence et tout. Et pour ce qu'on a au niveau du rond-point, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. C'est vrai que certains d'entre vous sont d'accord avec la tour panoramique. Certains préfèrent. L'église, la cathédrale de je sais plus quoi d'ailleurs, l'espèce de grosse cathédrale, la cathédrale de plénitude, voilà. Sinon, on a quoi? On a théâtre des merveilles, ça on pourra mettre ça ailleurs aussi. Et certains ont proposé de mettre la tour panoramique sur la montagne, au sommet du parc national. Alors, je trouve l'idée intéressante, mais pas en tant que parc national. Si je la mets, je la mettrai là, et le parc national, en fait, fera le plutôt dans cette zone-là. Je vois mal comment ça peut être considéré une tour, faisant partie du parc national. Parc naturel, donc, voilà. Mais par contre, on pourrait avoir, oui, en effet, un téléphérique qui monte.
une petite route sinueuse qui monte aussi. Ça pourrait être sympa en arrivant d'ici et ça donnerait une vue vraiment panoramique sur toute cette zone-là que j'ai débloquée vu qu'on est passé au-dessus de 30 000 habitants, que ça continue d'augmenter d'ailleurs. Voilà, on est passé au-dessus de 30 000 habitants pendant que je faisais ma petite soupe là, avec l'université. Et comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, je vais vous montrer juste assez rapidement. Ah, ça c'est revenu un peu, mais en gros, des industries, à un moment, il n'y en avait quasiment plus. Parce qu'en fait, les bureaux se développent, les bureaux font partie de l'industrie, sont considérés comme des industries. Et en fait, ça les a donc, ça a tué l'industrie là-bas. Pareil, au niveau de notre ferme, on a. Ah, si, c'est remonté aussi. On était tombé à 400 employés sur 1400. Mais c'est parce qu'on a augmenté un peu. Là, on était à 33 000 et il y avait genre plus d'industrie du tout sur la map. Donc c'est assez rigolo. Voilà, là c'est remonté à 40 000, mais on a toujours une grosse demande de commerce et de résidence. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'ailleurs, on va faire ça ensemble, ça va être plus simple. Vous allez voir un peu. Je vais essayer d'expliquer un peu ce que je veux faire. Vu qu'on a débloqué, enfin que j'ai débloqué cette partie-là, j'ai envie de m'attaquer à donc, toute la partie. Cette partie-là. J'ai quelques idées et on va attaquer ça tout de suite. La première chose qu'on va faire, ça va être de retirer cette ligne de train qui, je n'ai pas du tout envie qu'elle passe par le centre de la ville. Celle-là, on va l'enlever aussi. Vous allez voir. On va faire attention, il va falloir tout raccorder. Mais l'idée, c'est que ça va passer sous la montagne. Alors, hop, le petit train. Et je ne l'ai pas. Je sais plus si je vous en ai parlé, mais en gros, pourquoi j'ai désactivé la plupart des bâtiments au niveau de l'université, c'est parce que ça coûte assez cher en fait. Voilà, on va faire passer ça là. L'idée, ça va être d'essayer de descendre. D'avoir une entrée de tunnel comme ça, voilà. Et là, on va partir. Pour l'instant, on va passer ça comme ça. Et à ce niveau-là, on va passer ça. Je suis en train de me demander pourquoi ça reste en dessous. J'aimerais bien que ça reste en dessous du. Ah, c'est parce qu'on est au-dessus du sol. Voilà. On reste en dessous. Allez, hop, on se met droit. On est trop bas. Oula, on est beaucoup trop bas. J'avais pas remarqué ça du tout, du tout. Ça m'a coûté une blinde. Ah oui, bien évidemment. Ça, c'est descendu et c'est resté en bas. D'accord. Bon, l'idée. On va essayer de faire remonter tout ça. Non, pas à ce niveau-là du coup, mais jusque-là, ça sera plutôt intéressant. Voilà. Et c'est tout en fait. Si je dis pas de bêtises, ça va passer par là. Sinon, il va falloir que je fasse un système comme ça pour que les trains puissent passer de chaque côté. Voilà, ça devrait être bon. On est sous terre, donc on est bon. Donc normalement, si je les laisse tourner, les trains ont disparu. Mais voilà, ce que j'ai envie de faire, c'est de désactiver ça. Voilà. Il faut tout enlever, tout ça. Parce que l'idée, c'est qu'on est. Peut-être que je ferai ressortir le train par la suite. Mais l'idée, vraiment là,
pour l'instant, c'est d'avoir un truc qui ne soit pas sûr. Qui ne prenne pas trop de place sur le dessus de la map, sur la surface, pour qu'on ait la place de travailler. Je regarde que tous les trains se passent bien, tournent comme il faut, voilà, c'est bon. Ici, j'imagine que ça va en venir, oui. Donc ça a l'air de marcher, voilà. Tant mieux, ça aurait été un peu gênant, sachant que le jour de match approche, doucement mais sûrement. Et alors, les blocos, bon, c'est joli, c'est sympa, mais ça le fait mal sur une plage touristique. Enfin, il y en a, mais c'est juste que ça fait un peu gros pour ce que c'est là. Et alors, non, en surface, c'est mieux. Revenez en surface, voilà. Et alors, mon idée, c'est tout simplement qu'on va avoir deux... j'ai envie d'avoir une grande route qui fasse le long de la plage, jusque là, et qui revienne par derrière. Donc tout du sens unique. Et ce qui serait bien, non, ce serait d'avoir un truc en bord de plage. Comme ça, ce serait pas mal. Il va falloir tout aplatir derrière. Et j'ai envie que ça vienne jusqu'ici. Voilà. Donc, c'est une idée, hein. C'est pas comme ça se passe souvent. Pourquoi c'est ressorti? D'accord, bizarre. Comme ça se passe assez souvent, c'est pas forcément comme ça qu'on finira. Enfin, que ça va rester, mais c'est bizarre que ça soit redescendu comme ça. Par contre, ouais, c'est sympa, ça fait une grande, très grande avenue. C'est un peu ce que je cherche. Pas adoucir le terrain, mais il va me falloir une taille de brosse un peu plus grosse et une force, ouais, une force un peu plus grosse aussi. Non, on va rester à ce niveau-là, voilà. Ça, j'adoucirai le terrain plus tard. Donc, taille de brosse un peu plus grosse, ça pourrait être sympa, voilà. Faire un peu de place. Oh, non. Là, on est moins bon. Il va peut-être falloir, ouais, il va falloir que je change ça, parce que du coup... ce qui serait bien, on peut garder le niveau. D'accord, ok, je commence à comprendre comment ça marche. Donc on va... J'ai envie que ce soit plat. Donc pour que ce soit plat, on va aligner, on va sélectionner tout. Nos points de route comme ça avec l'outil Move It. Bon, on est quasiment au bout, ça devrait aller. J'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là. Non, je vais enlever celui-là et je vais dire de tout aligner avec celui-là. Voilà, et donc ça me fait un truc très plat, très sympathique. Voilà, et donc maintenant. Si je fais que je veux mon terrain soit un peu plus plat, voilà, ça rend quand même beaucoup mieux. Et on va adoucir à ce niveau-là. Voilà. On peut faire redescendre le truc, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est juste éviter que ce soit... Ça va être un peu en colline. Mais c'est pas un problème, on peut s'en sortir. Celui-là, t'es un peu haut, toi. J'aimerais bien te baisser un petit peu. Voilà, on va essayer de baisser tout ça.
Voilà, ça rend un peu mieux. On va aplatir tout ça. Voilà, adoucir tout le terrain. Ici, on a besoin d'adoucir un peu parce qu'on a pas mal de pente aussi. Et voilà, donc on arrive sur une grosse ligne droite. Et donc ça, c'est dans quelle direction? C'est dans cette direction-là, sachant qu'on conduit à droite. Donc c'est pas la bonne direction. On pourrait faire un truc un peu bizarre, mais c'est le problème des trucs un peu bizarres. C'est qu'ils sont un peu bizarres. Donc non, on va faire ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le retour de cette rue à ce niveau-là. J'ai cette rue-là qui vient jusqu'ici, donc on va la continuer jusqu'ici. Et on va avoir notre rue unique, voilà, ici. C'est nickel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre non, c'est pas bon. Il va falloir qu'on pose ça comme il faut. Hop, voilà. Dans ce sens-là, voilà, avec deux au milieu, ça va me permettre de faire une rue. Enfin, mettre des arbres au milieu. Par contre, bien évidemment, c'est pas au même niveau. Ce qui est très sympathique. Alors, du coup, il va falloir qu'on réutilise Move It. Il va falloir qu'on sélectionne tout ça. Donc, allez-y. Hop, voilà. On sélectionne tout. Et on va... ah non, on peut pas faire ça comme ça en fait. Ce qu'il faudrait, c'est que ça... Celle-là est plutôt plate. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner ça à ce niveau-là, voilà. Je vais l'aligner à ce niveau-là. Il n'y a pas un raccourci de clavier pour ça. Move it, voilà. Undo, align, control H, et ben voilà. Ça sera beaucoup plus simple. Hop. Voilà. Control H. Oh, ça commence à redescendre, donc non, celui-là, on va l'aligner à celui-là. Ça n'a pas l'air de vouloir trop marcher, donc on va le baisser un petit peu. Voilà, ça reste un petit peu mieux. Celui-là, par contre, je vais pouvoir l'aligner avec celui-là, celui-là, avec celui-là. Oh, on est d'accord? Ouais, c'est bon. Voilà. Et donc, on vient se poser là. Bien évidemment. Hop, voilà. On se met comme ça. On va avoir un petit peu plus de hauteur ici, un petit peu moins ici. Et on est sur quelque chose de plutôt correct à part ici. Mais ça, c'est pas grave. On peut faire ça comme on veut. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, on est enfin sur quelque chose de correct. On va continuer d'adoucir le terrain. Voilà. On est plutôt bon. Éviter d'avoir trop de vagues, trop de trucs bizarres. Être un peu plus graduel et on s'en sortira. Voilà. Donc c'est bien. Donc on a nos trains qui sont en dessous, c'est parfait. Et alors, l'idée, ça va être aussi de ce côté, on a les mêmes, de ramener ça jusqu'ici.
jusqu'ici aussi. Est-ce que ça passe? Ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer aussi, voilà. Bon, ça va être un beau bordel de circulation, on s'en doute, mais au moins ça devrait marcher et les gens pourront aller où ils veulent. Est-ce que j'ai besoin de ça? Ouais, si. Bon, ça fait un rond-point carré, un carré point. Voilà. Et alors, on va pouvoir continuer. Donc, il nous faut toujours autant de commerce et de résidence. Alors, comment on va faire ça? J'aimerais mettre pas mal de commerce de ce côté-là. En fait, pour vous expliquer. Donc ici, voilà. On a le phare de la pointe. On a donc tout ça. Ça va être un parc un peu... je pense que je vais faire un parc de la ville. Même style que ça, mais pour la pointe. Devant, on aura notre parc d'attractions. Et dans cette zone-là, on va avoir un max de commerce de type divertissement. Divertissement. Divertissement, c'est... Quels sont les autres types? Je ne me rappelle plus. Non, touristique, voilà. On va avoir une zone touristique ici, et ça, ça va être une zone beaucoup plus résidentielle. Et j'ai envie de faire commencer la zone résidentielle ici aussi. Et pour ce faire, il va falloir qu'on commence à voir comment on va mettre ça en place. Et dans l'idée, on va rester sur ce système-là. Donc, ici, ce que je vais faire, si j'ai envie d'avoir... deux carrés comme ça, ouais, ça va être bien. On va avoir une zone résidentielle. Je vais avoir une petite rue qui va passer devant. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors, je vous explique un peu. Donc, le layout. Bon, là, pour l'instant, c'est tout dans le même sens, mais on alternera. Ça va être à gauche, à droite. Enfin... Ça alternera le sens de la du sens unique. Voilà, ça c'est la première partie. On va voir la deuxième partie qui est de faire... En fait, il faudrait que je la mette un peu plus loin, tant pis. Comme ça, et donc ça va me permettre de venir, on va dire, jusqu'ici. Et on va adoucir le terrain pour le coup. Avant de mettre les routes, c'est plus facile. On voit que ça monte assez violemment vers le parc. Et donc à ce niveau-là, voilà, il va falloir faire quelque chose ici. Je ne suis pas très sûr encore. Quoi, est-ce que ça, alors ça, si je la mets jusqu'ici, bon, c'est presque bon. C'est dommage, on va avoir un petit angle ici. Donc, que je vais casser. Du coup, voilà. Hop, on va remettre ça comme ça. Et on va venir chercher cet angle-là. Et celui-là va venir se mettre. Si je mets ça comme ça, ça va être dégueulasse. Ça risque d'être violent. Quoique. Non. Un angle droit à ce niveau-là. Voilà. Essayer d'avoir peut-être un parc ici, ça pourrait être sympa. Il y a une autre chose que je voulais mettre en place, vous allez voir assez rapidement. Donc ici, on est bon. Ça va falloir changer le sens. On va aller dans ce sens là. Ou non, on va la dernière dans ce sens là. Voilà, ça va faire comme ça. On va pas tout de suite mettre des maisons de ce côté là. Et on aura ici, je prévois de faire un embarcadère de
un port avec un embarcadère de ferry et d'autres ferries. Je pense mettre un système de ferry à ce niveau-là aussi. Donc, pas mal de choses à faire pour l'instant. Et est-ce qu'il serait possible... Voilà, l'idée, comme j'ai pu vous le dire dans pas mal de commentaires, en fait, c'est que... Voilà, j'ai l'idée, je sais ce que je vais mettre, où je vais le mettre, comment je le fais exactement, ça c'est un autre mystère. Et je sais qu'il me reste... Qu'il me reste ça. Et oui, on a notre voie express. Ici, alors. Ça va être important de l'utiliser. Et je pense, oui, je pense que j'ai compris ce que je vais vouloir en faire. Donc on va l'amener jusqu'ici. On va l'amener jusqu'ici. On va amener l'autre jusqu'ici d'abord. Voilà, au même niveau. Et on va la faire ressortir. Ici, voilà, on peut ressortir aussi ici, voilà, et ça viendra donc jusqu'au port et à toute la zone commerciale. Est-ce qu'on a la place? Est-ce qu'on aurait la place si je regarde en dessous? Déjà, je vais changer la direction de tout ça. Important. Oups. Hop. Non, c'est en dessous qu'il faut aller. Voilà. Voilà, et on est bon. Donc là, on est bon. Avoir une sortie d'autoroute ici, ça pourrait être utile. Ça pourrait être très très utile. Alors, comment faire ça? J'aimerais que ce soit moins... Je ferai ça plus tard, je pense. On pourra dévier ça. On a... Et quitte à faire retourner tout ça et à recroiser ça plus tard ici, pour avoir une sorte de périphérique. Là, pour l'instant, je vais vous avouer, je ne suis pas... Pas très sûr de ce que je veux en faire. J'ai une idée. L'idée de devoir disons connecter tout ça, ça c'est évident, on va dire. Mais comment, c'est une autre histoire. Et alors, autre chose que je voulais faire, il y a un parc, voilà, parc central. Le parc central est assez grand, comme vous pouvez le voir. Assez grand, mais il pourrait être assez sympathique à mettre en place. L'idée serait de l'avoir, voilà, quelque part. Alors, est-ce que je pourrais le mettre là? Ça, ce serait, je pense, une bonne idée. Voilà. Parc central, donc équivalent à Central Park. Donc, avec pas mal de trucs, une rue qui passe autour, et on a encore une fois. Est-ce que ça va passer avec Anarchie? Est-ce que ça a l'air de passer avec Anarchie? Ça ne passe pas. Ou alors faut des petites rues. Ça a l'air d'être des petites rues. Est-ce que je peux mettre une petite rue boisée comme ça? Non, faut que ce soit comme ça. Ça passera pas. Essayer de faire ça comme ça.
Bon là du coup avec anarchie ça passe. C'est moche. Mais ça passe. Ça par contre c'est ultra moche. Non, on va pas faire ça comme ça. Ce qu'on va faire. Je vire tout ça. Est-ce que si je mets. Donc on va bouger tout ça. Toi, je bouge. Ouh là, non, pas ce que je voulais faire. Non, je ne veux pas le détruire. Je veux pas faire ça non plus. Alors, voilà. Sélectionner, bouger. Merci. Ah, ça coûte 40 000 de bouger ça. C'est violent. Donc, on recommence. On met. On va tout droit. Voilà. Et est-ce que maintenant, je peux rebouger ça de ce côté-là, comme ça? Ça va rester, ça va faire pareil. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est faire ça un peu plus gros, voilà, et faire continuer le parc à côté, tout simplement. C'est, je pense, juste faire le parc un peu plus gros. Ça sera le plus simple à mon avis. Voilà. Distance trop courte, ça m'étonnerait. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, je peux avoir. Non. J'ai plus envie de ça, du coup. On peut faire ça comme ça et ça. J'aimerais bien que ce soit droit, par contre. Possible. Voilà. Ça c'est de travers, c'est bizarre. Cette rue là n'est pas droite. Pourquoi? Parce que cette rue là n'est pas droite. D'accord. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah voilà. Et donc ça, on gardera ça en parc. Je décorerai ça plus tard. Je vais pas vous infliger ça tout de suite. Mais ça va me permettre. Vu que maintenant. Nous avons tout en place. On va relier ça ici. Est-ce qu'on peut relier ça comme ça? Oui, on pourrait relier ça comme ça, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux voies ici, ça sera plus simple. Ça permettra plus de communication. Et ça, par contre, il faut qu'on aille du bon côté. Voilà. Donc, on a le Central Park, on a ça. Je vais mettre un peu plus. Il va y avoir un peu plus de maisons de ce côté-là. Oui, je sais que tu n'as pas assez d'électricité. Si on a de la demande, on a plus de demandes de tout. C'est très très bien. On est déjà à 41 000. Donc on est quasiment arrivé à la fin. Est-ce que le stade, ça marche déjà? Quand est-ce que le prochain jeu? Le 12. Donc d'ici quelques jours, vous verrez très rapidement que ça donne. Oui, je sais, il n'y a pas assez d'électricité. 2 secondes. Alors, ici, on va avoir ça. Comme ça, on va aussi pouvoir avoir connecté ça ici, reconnecter tout ça ici, voilà. Avoir une zone là, non, je pense qu'on peut faire autre chose. On peut faire ça autrement. Voilà, on va juste faire ça comme ça, ça sera plus simple, ça va rester un peu. Dans ce style-là. Et là, j'aimerais avoir. Quelque chose un peu. Non. Ce serait bien que ce soit là, voilà. Comme ça. Et. Comme ça, voilà. Donc, on va avoir plus de bureaux.
on va pouvoir ramener nos bureaux ici. Donc les bureaux sont des grandes lignes de bureaux. Hein. Jusqu'ici, pas trop de soucis. On commence à connaître. Ça, ça fait un grand bureau. Et on met ça. Alors, ce serait bien que ce soit à 90, mais c'est pas à 90. Non, pas à 90 dans ce sens-là. J'aimerais que ce soit à 90 dans ce sens-là. Ça passe, voilà. Plus de bureaux, plus de bureaux. On peut en mettre une au milieu ici. Pourquoi pas, voilà. Et donc, populons. Je vais mettre des appartements de ce côté-là. Du côté de Central Park en général. Enfin, c'est pas en général, c'est à New York, c'est comme ça. On va pouvoir rajouter un peu de bureaux ici. Et nous sommes le 14, et le 14, le match de foot a déjà commencé. Voilà, donc on a les joueurs sur la pelouse, et vous allez voir qu'on a énormément de monde qui arrive. Je vais juste passer deux petites minutes ici. Normalement, vous devrez voir, voilà, les trains commencent à arriver, et on devra avoir, voilà, une tonne de supporters qui arrivent. Notre maillot est rouge, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc on a beaucoup de supporters rouges. J'ai pas choisi, j'ai laissé ça comme ça. A priori, c'est bon et c'est marrant. Voilà, j'ai fait un petit passage à ce niveau-là et tout le monde va venir ici. Si on avait des mods et que j'avais mis des vrais parkings à ce niveau-là, en fait, on aurait plus de voitures qui viendraient se garer là et ça aurait encore plus de. Enfin, ça donnerait le sens encore plus que le stade est en train d'être utilisé. Et voilà. Donc là, pour l'instant, le match en cours. Donc on a 600, on est quasiment à 750 visiteurs. Donc voilà, ils arrivent. Ça coûte cher. Mais un des gros avantages, c'est que ça rapporte aussi énormément d'argent. Donc ouais, 100 et quelques mille, ça permet de bien booster les revenus à partir du moment où on arrive à ramener tout le monde. Donc eux, ils veulent repartir. Donc il y a trois lignes de train qui arrivent à ce niveau-là. Voilà, normalement ils devraient rentrer dans le train. Et on devrait en avoir quelques-uns qui sortent aussi, ou pas du tout. Pas du tout. Personne ne sort, le train se barre, voilà. Donc c'est vraiment... J'ai un dépôt de bus touristique que j'ai pas encore utilisé. Je mettrai en place un peu plus tard. Et on a aussi pas mal de bus. Hein. Voilà, on a pas mal de supporters dans les bus. Qui, eux... change de bus pour aller à un autre endroit. Sinon, il marche pour aller au stade. Tout simplement. Voilà. Est-ce que le match est fini? Non, pas encore. Oh, ça y est, nous sommes arrivés à Ville Colossale. Donc, nous avons Centrale Nucléaire. Nous avons aussi une nouvelle ère de jeu. Et nous approchons doucement, mais sûrement, de la dernière étape qui nous permettra de tout débloquer et de vraiment tout... de vraiment développer la ville comme je l'entends. Donc on a besoin de plus de commerce. Alors commerce, j'ai le parc du Chêne, donc j'ai appelé, qui s'appelle parc du Chêne, mais pas forcément le nom final. Ce que je vais faire, c'est que on va rester comme ça là-dessus. Ce qui serait bien, c'est que je vais mettre un quai qui continue jusqu'au bout. Je retrouve le bouton, voilà. Voilà. Le quai qui va jusqu'au bout, qui va me permettre de zoner tout ça en zone. On va garder celui-là aussi, voilà. On va continuer le parc ici, voilà. Donc le parc de Chêne. Il changera de nom très fort, très certainement. En fait, c'est une zone de divertissement. Donc, c'est une des spécialisations commerce. Hop, hop, hop.
Voilà, on reste sur quelque chose comme ça. Essayer de faire ça propre. Pas évident avec toutes les routes. Voilà, mais normalement ça devrait subvenir à la demande commerciale si on n'oublie pas de mettre de l'eau partout. Ça pourrait être une bonne idée. Donc là on a de la chance, il y avait de l'eau, il va falloir tout connecter encore une fois. Ah oui, je sais, ici vous n'avez pas d'eau. Comme ça. Ah, là il veut pas. Non, que ce soit comme ça, alors on va se mettre comme ça et comme ça, voilà. Pareil à ce niveau là. Dans le coin, ça va pas passer, tant pis. Voilà, bon là on est couvert, là toute la zone est couverte. On a assez de place pour développer les trucs, donc voilà. On arrive tranquillement mais sûrement vers la fin. Et prochain épisode, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au prochain épisode? Donc déjà, on a récupéré une zone, alors laquelle j'ai envie de débloquer? On pourrait faire le parc naturel, mais je pensais faire ça un peu plus tard. On a encore pas mal de taf à ce niveau-là. Je n'ai aucune idée de ce que je veux faire sur cette île, ça pourrait être rigolo. Alcatraz, mettre une prison là-bas. Mais bon, c'est pas forcément super sympa pour ceux qui habitent ici. On a la, comment, la centrale nucléaire qui est un peu plus haut. On pourrait commencer à avoir un peu d'extraction de ressources ici. Je voulais faire du pétrole ici aussi. Ah, on a pas mal de possibilités, sachant que si je regarde ici, donc ça c'est une ville colossale, et 60 000 on a encore une zone, et à 75 000 on passe à tout. Donc il nous reste encore 32 000 personnes à faire venir dans la ville, mais... Ça devrait aller assez vite parce qu'on aura énormément de zones résidentielles ici. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter cette zone-là. Ça va être plus simple. Ah oui, j'ai enlevé, j'ai mis à jour la mod list. Donc il y a deux nouveaux modes. Un ou deux nouveaux modes. Un pour enlever le brouillard. Donc vous voyez, il n'y a plus de brouillard. Ça permet de voir le bord de la map et ça permet de tout faire proprement. Voilà, donc on a la pointe, on va pouvoir zoomer, rezoomer un petit peu, voilà. Et donc on va pouvoir enfin faire quelque chose de ça. La pointe que je vais retravailler un peu, mettre un peu plus de rochers, faire un truc un peu plus sympa je pense. Ça je le laisserai aussi, je trouve ça vraiment assez sympathique. Et pourquoi ne pas commencer à mettre un port ici, pardon, un port de containers et tout. Ça pourrait le faire. Ça pourrait être vraiment sympa et garder ça comme un peut-être un autre parc, pourquoi pas. Avoir les gens qui viennent visiter. Et voilà. C'est plutôt... Bon, on a fait quelques trucs. Et vous avez un peu vu le... ma façon de réfléchir. À ce que je fais au niveau de la série en général. Est-ce que je peux mettre ça comme ça? Ce serait... Non, pas débile. Mais comme d'hab, mettre ça ici et ici. Voilà, c'est plutôt intéressant. On va zoner un petit peu plus de bureaux. Voilà. Donc tout ça, ce seront des bureaux. Ça, ce sera aussi des bureaux. Et je pense qu'on aura notre... De ce côté-là, ça va être vraiment du commerce. Et je pense qu'on aura pas mal de... Ça, ça va être des bureaux aussi. Je mets tout ça en place ici. Ce sera plus simple. Et le reste, voilà. Le reste, ça va être du résidentiel. Alors, comment est-ce que je peux mettre en place le résidentiel ?
faudrait quelque chose. Pas optimum. Voilà. Tant pis. Hein, ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien. Bizarre, mais on est trop loin. Ça peut le faire. Et on va garder ça comme ça. Voilà. Et on va reposer du résidentiel là-dedans. Plus de résidentiel, toujours plus de résidentiel. Le but ici, c'est vraiment qu'on est sur un coin très dense, qui sera très dense de la ville. Il va falloir que j'aménage tout ça. Je ne sais toujours pas ce que je vais mettre ici. La cathédrale me semble plutôt pas mal, mais il pourrait y avoir d'autres trucs. Hein. Sachant qu'on a développé quand même pas mal de choses. Le musée d'art moderne. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un peu gros. C'est un peu gros. Sinon, on avait quoi? Le théâtre des merveilles. Un peu gros aussi. Décidément. Il manque des choses. Construire un port. Bon, ça viendra par la suite. Aéroport international. L'hôtel de luxe. Hôtel de luxe qu'on pourra mettre de ce côté-là aussi. Le stade, on en a déjà un. On aura un grand centre commercial qu'on va pouvoir mettre quelque part aussi. Ça, l'opéra. L'opéra pourrait être sympa dans cette zone-là. Vu que c'est censé être touristique. Centre des sciences. Ah tiens, le centre des sciences, j'ai oublié. C'est ici que je voulais le mettre. Mais évidemment, ah, il va y avoir de la place. Est-ce que je peux le mettre là? Oui, on va le mettre là. Je vais mettre le centre des sciences ici, que ça reste un peu thématique. On a centre des expositions, centre des sciences, juste à côté de l'université. Donc ça peut être... Il va falloir habiller un peu, mais c'est à moitié crade. C'est bizarre, on dirait qu'il est sale. Mais voilà, ça reste un truc... Ça reste une zone dédiée aux expositions, aux matchs. Et oui... Chose assez rigolote. Donc là, vous voyez, c'est fini. Le match est fini. On a encore gagné. Mais, comme à chaque fois. Pour l'instant, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois que je vois ça. Il y a un mort. Donc, soit il a trop bu. Soit il s'est pris un ballon un peu fort dans la tête. Mais il y a un mec. Il va voir un match et il meurt. D'où l'idée d'avoir un hôpital juste à côté. Toujours utile. Il va falloir que je passe entre deux épisodes aussi pour regarder un peu ce qui va se passer au niveau police. Donc, comme on voit là, il y a un peu de criminalité. Pourtant, ça a l'air de passer. Ce sera peut-être l'occasion de mettre un poste de police pas trop loin. Ça pourrait être utile, voilà, pas trop loin. Ou alors à ce niveau-là, ça marche aussi. Pourquoi ça passe pas? Ah oui, si, je comprends. Donc la police, on va avoir besoin de prison bientôt aussi. Normalement, il n'y a pas de disponibilité des prisons, on est encore plutôt pas mal. On a un faible taux de criminalité, donc c'est bien. Pompier peut mieux faire. Ouais, ça manque un petit peu à certains endroits de casernes de pompiers. Ça permet de réduire un peu, non? Ça fait bizarre par contre. Antenne de pompiers, d'avoir une petite antenne de pompiers quelque part, ça pourrait faire du bien. On va la mettre là. C'est toujours utile, toujours pratique. Ça permet d'avoir de rassurer les gens. Et en avoir une de ce côté-là, ce sera aussi utile, je pense. Niveau déchets, on en est... Ah, c'est... Ouais. Bon, évidemment, hein, ça passe. On a ce qu'il faut. Voilà, on a un mort qui... Ça fait longtemps qu'il est là. Diminue la pollution maritime. Bâtiment flottant qui doit être placé sur l'eau. On s'en doute, on s'en doute. On pourrait mettre ça ici. Mais c'est pas forcément très important tout de suite, tout de suite. Ouais, il va falloir qu'on voit comment faire. Mais ouais, si je fais
Si ça passe comme ça et que je relis ça ici, ça devrait être un peu... Ça devrait aider un petit peu. Mais c'est vrai qu'il va nous falloir une deuxième zone de traitement de déchets ailleurs. Parce que ça va être... autant ça, ça marche dans l'ensemble plutôt pas mal. Autant là, j'imagine que ça va commencer à être un peu plus difficile. Voilà. Et ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, pas mal de plans pour les prochains épisodes. Qui vont tourner en avance d'ailleurs, parce que je pars à la fin du mois pendant 2 semaines. Donc, les épisodes sortiront tous les week-ends, comme d'habitude, tous les samedis. La seule différence, c'est que voilà, les prochains épisodes, je vais les tourner dans la foulée de celui-ci. Peut-être demain, quelque chose comme ça. Donc, je verrai les premiers commentaires. Enfin, je verrai tous les commentaires. C'est juste que, bon, vos idées ne seront pas forcément appliquées tout de suite, vu qu'il faut que je vous prépare quelques épisodes quand même. Et que le temps va venir à me manquer assez rapidement. Donc, voilà. Voilà, voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'essaye de faire des choses un peu différentes à chaque épisode. Ici, on a fait pas mal de construction. Moins d'explications, plus de construction. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Petite question de la fin de l'épisode. Pour ceux qui regardent jusqu'ici. Cette zone-là que je vous montre ici. Est-ce qu'on la garde en faible densité ou alors est-ce qu'on la met en haute densité? Parce que c'est vrai que ça fait assez... Ça fait une ligne très, très claire et nette ici. Qui peut être... Quoique je peux la garder, je peux la mettre en haute densité, mais mettre ça en comment restreindre la hauteur des bâtiments. Donc ça me permettra d'avoir une sorte de plafond, enfin de réduction de la taille des bâtiments pour que ça soit pas beaucoup plus haut que les bâtiments moyens comme ça. On n'est pas des gros gratte-ciel. Avec les petits ballons qui passent ici, c'est vraiment sympathique. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, mais ouais. Parce que je trouve que ça fait un peu bizarre. Voilà. Donc, encore une fois, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine pour la suite. Encore une fois, merci. Et comme d'habitude, en attendant la suite, amusez-vous bien. Salut !